Bonjour Trévor, donc en direct du triathlon de Cap-Sissier. Comment s'est passée ta course? L'objectif de la course était de faire une préparation pour l'Ironman de Cozumel dans à peu près un mois et demi. Donc la course s'est bien passée par rapport à la grosse semaine que j'ai fait cette semaine. Donc j'en suis très content. Tu as changé de région apparemment, tu t'entraînes maintenant sur la région de Nice. Oui. Qu'est-ce qui se passait en fait dans ta... En fait j'étais à la recherche d'un coach. Donc, des coachs qui déconcentrent derrière. Donc j'ai demandé à Yves qui a bien voulu me prendre en main et c'était le gros objectif de me faire prendre, qu'on s'occupe de moi et de pouvoir progresser pour passer un nouveau cap en natation, en vélo et en course à pied. D'accord. Et tu vas changer de club ou tu vas rester au Team Charente? Malheureusement je vais devoir quitter le Team Charente pour aller à l'ONN, le club de Nice, dirigé par Yves Cordier. Et... Voilà, on va faire un travail ensemble et on verra bien par la suite. Donc là, tu nous as annoncé que tu faisais participer à l'Ironman de Cozumel. Oui. Quels seront tes autres objectifs de l'année 2012? Le plus gros objectif, c'est de pouvoir se qualifier pour Hawaï parce que maintenant, c'est toujours la course au KPR. Donc je ferai le point après Cozumel, voir un peu comment ça se passe, le classement que je vais faire après cette course. Et après, voir par rapport au point qui va manquer pour être prêt pour Hawaï et arriver avec la fraîcheur. Ok, donc tu sais pas trop encore quelles vont être tes courses. C'est sûr que je ferai l'Ironman de Nice, ça c'est sûr, déjà, ça c'est clair et net. Obligé. J'ai pas le choix. Après, avant, il faut que je trouve un autre Ironman, mais il y a plusieurs possibilités et il faut voir la stratégie par rapport au point qu'il y a et par rapport au plateau pour voir ce qui est plus intéressant pour moi. Tu vas aussi faire des Alphes, des 70.3? Oui, beaucoup, pas mal de Alphes, peut-être des championnats de France en Corse, vu que c'est pas loin de Nice. Donc cette année, c'est plus sur la vitesse, plus sur le changement de rythme, transition au vélo, course à pied. Donc on verra bien. Donc beaucoup de changements dans mon entraînement et dans mon planning de course. Est-ce que tu sens déjà des progrès en natation ou est-ce qu'il y a encore du travail à faire? À l'entraînement, j'ai senti beaucoup de progression en natation, en vélo, en course à pied. En course, ça commence à venir en natation. En vélo, c'est pas encore ce que je ressens par rapport à l'entraînement. Et à pied, je suis beaucoup plus à l'aise. D'accord. À cause du mail, tu seras avec d'autres membres de l'Olympique Nice Natation ou... À Cozumel, il y aura Albasso qui pourra chez les profits. Et sinon, après, pas d'autres coureurs. Sinon, après, il y aura Jean Collange qui parle en Arizona. D'accord. Merci bien et puis bonne saison 2012. Merci.